Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Bienvenue sur la plateforme digitale Mali Online. Mali Online, après l'imam Diko, est parti à la rencontre d'un grand commis de l'État, Monsieur Modibo Sidibé. Monsieur Sidibé, vous êtes inspecteur général de police, docteur en criminologie. Vous avez commencé votre carrière dans l'administration au cabinet du ministère de la Défense en 1986. En 1991, le général Latété vous fait appel pour prendre en charge le cabinet de la présidence de la transition. En 1992, le tout nouveau président Alpha Omar Konaré vous fait appel comme ministre de la Santé de 97 à 2002 au poste du ministère des Affaires étrangères. En 2002, le tout nouveau président encore élu, ATT, vous fait appel pour prendre en charge le secrétariat général de la présidence. Et puis, en 2007, vous accédez à la grande fonction de premier ministre. Et enfin, vous terminez candidat aux élections présidentielles de 2013, où vous arrivez quatrième sur 26 candidats. Inspecteur général, docteur ou premier ministre, chez l'embarras de choix. Monsieur Sidibé, bonjour. Monsieur Sidibé, si on vous demande, ou si on vous demandait de faire un diagnostic de la vie de notre nation, qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement? Je voudrais d'abord saluer tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent. Comme on dit chez nous, au lignantement. Vous avez commencé par citer les fonctions que j'ai eu l'honneur d'occuper au service de notre pays. Avant d'être au cabinet de la Défense, j'étais dans les services de police, dans les commissariats, la direction nationale de la police de l'époque. Et je voudrais remercier le président Konaré, le président Antoine Touré, qui a eu confiance en moi pour m'appeler à des hautes fonctions où j'ai pu servir avec beaucoup d'abnégation, où je me suis consacré véritablement au service de notre pays, dans tous ces postes-là que j'ai eu à occuper. Aujourd'hui, bien sûr, si vous dites comment m'appeler, vous avez trouvé vous-même la réponse en disant « Monsieur Sidibé ». Mais j'ai juste une anecdote. Je me suis trouvé dans une de ces rencontres de grains à Paris, dans la banlieue, avec une salle bondée. Il y avait un ou deux Français qui étaient de la communication. Il est venu me voir après. Il dit, mais il est étonné parce que personne ne m'a donné de Monsieur le Premier ministre ou de Monsieur le ministre. Tout le monde disait Modibo, Modibo, Modibo dans les interventions, même ceux qui apparemment ne me connaissaient pas. Et moi, je prenais ça très bien. Et il trouvait ça que c'est remarquable. Donc, à vous de choisir. Et la situation de notre pays aujourd'hui est extrêmement difficile. Nous n'avons pas cessé de le dire. Nous avions considéré en 2012, déjà quand on montait vers 2012, nous avons tiré les leçons et les enseignements de ce que notre pays a vécu, de ce qu'a été notre État, de ce qu'a été la gouvernance, de ce que tout ce que nous avons pu réaliser pour le pays. Et des difficultés, certes, des insuffisances, peut-être aussi des choses qu'on aurait voulu faire, qu'on n'a pas pu faire. Mais avec une certaine fierté, quand on s'est retrouvé au moment du cinquantenaire, qu'on regarde le parcours, on se dit vraiment, nous avons les capacités de transformer notre pays. Et le potentiel est énorme. Les capacités intellectuelles, physiques sont là. Et on peut le faire. Mais il fallait trouver le cadre pour cela. Nous montons vers des difficultés, nous montons vers des contraintes. La démocratie n'a pas toujours été bien vécue, bien pratiquée. Et nous avions considéré que, à ce moment-là, avec la crise du Nord, avec, disons, l'environnement mondial et tout, avec la situation dans la sous-région, et la situation même à l'intérieur du pays concernant l'État, ses capacités et tout, on était venu à la conclusion que le pays a besoin de réformes structurelles. Nous avons besoin de renouveau de la démocratie. Nous avons besoin de renouveau citoyen. Nous avons eu la République, Dieu merci. Nous avons eu la démocratie. Mais ce qui fait le socle de la République et de la démocratie, c'est le citoyen.
Malheureusement, nous avons eu beaucoup de mal à voir le citoyen dans le sens plein du terme. Donc, nous étions à la quête de ça. C'est pourquoi, depuis lors, on disait que pour ce renouveau de la démocratie, pour arriver à ce renouveau citoyen, il faut un dialogue national de refondation. Mais surtout, il faut que les forces politiques, républicaines, patriotiques, démocratiques, se donnent la main, se réunissent pour aider notre peuple à redresser la tête avec tout ce qui s'est passé. Vous avez lâché le mot, les forces républicaines. Monsieur le Président, pour le républicain, démocrate que vous êtes, est-ce que ce n'est pas un échec pour vous, la classe politique, d'être obligé de vous atteler à un imam pour vous faire entendre? La classe politique a eu ses difficultés. Son histoire est là. Nous, justement, dans la refondation, nous estimons que la classe politique et la société civile devraient faire leur propre introspection. Nous étions convaincus, quand on parle de renouveau de la démocratie, on parle aussi d'une autre manière de faire de la politique, de concilier le citoyen avec la politique. Et en fin de compte, de réconcilier même l'État, la gouvernance avec les citoyens. Parce que nous avons cette défiance-là. Mais moi, je ne dirais pas comme ça qu'il y ait des difficultés, oui, à ce que la classe politique ou d'autres forces se réunissent. Mais nous sommes aujourd'hui dans un rassemblement de patriotes. Moi, je ne vois pas de religieux dans le sens que vous dites. Il n'y a pas de citoyenneté religieuse. Il n'y a que les citoyens. Je n'ai pas entendu non plus de réclamation qui soit anti-républicaine ou qui soit antidémocratique par rapport à ce qui devrait advenir. Mais par contre, une colère de Maliennes et de Maliens qui ont souci de leur pays, qui vivent aujourd'hui des choses atroces dans leur chair. Tout ce que nous vivons au centre, tout ce que nous vivons au nord, tous ces jeunes gens fauchés dans l'affaire de l'âge, dans la défense de notre patrie, et nous nous inclinons humblement devant leur mémoire et saluons tous ceux qui aujourd'hui sont encore sur le champ et prêts à se battre pour cela. Mais je dis donc, j'ai entendu beaucoup de choses, hein, des politiques qui vont se cacher, des politiques qui vont se... Sinon, les politiques ne se cachent pas. Nous sommes dans l'opposition depuis 2013. Et nous y sommes. Donc ce combat que nous menons aujourd'hui, c'est notre combat de tous les jours. Et nous avons toujours pensé que ce combat, sa réussite, il fallait un rassemblement des forces patriotiques. Et aujourd'hui, nous l'avons. C'est vrai que le mouvement du 5 juin, la veille du 5 juin, nous avons fait une déclaration de notre parti pour rappeler tout ce que nous avons dit et fait pour éviter que nous allons vers ce qu'on appelle un désastre programmé. Mais malheureusement, les gouvernants, par leur comportement, nous y ont conduit. Et nous disons que nous comprenons toutes ces colères, toutes ces frustrations qui s'expriment. Et que beaucoup de nos compatriotes, beaucoup des militants des FAR, des sympathisants, seront avec ce peuple en colère ce jour-là. Donc je voudrais dire que méfions-nous des épouvantails. Regardons ce qui se passe dans notre pays. Et d'ailleurs, que ce soit la communauté internationale, la CEDEAO, la mission qui est venue, que ce soit la majorité que nous recevons, partout, tout le monde est en train de dire que les constats sont concordants, qu'il y a un vrai problème. Le pays a besoin de se reprendre. Le pays a besoin de se reconstruire, de se réformer et profondément. Donc voilà le sens de nos combats, des combats de patriotes, des combats de républicains, des combats pour la démocratie. Mais leur objectif, notre objectif, c'est qu'un vrai changement puisse permettre de repositionner notre pays dans une dynamique de progrès, dans une dynamique de sortie de crise durable. Monsieur Sidibé, le M5-RFP, mosaïque bizarre, c'est un peu le constat de beaucoup de gens. La composition cosmopolite de ce mouvement, qu'est-ce qu'on pourrait tenir? Est-ce que vous retrouvez là, n'est pas un cheveu dans la soupe? Ce n'est pas un cheveu dans la soupe. Quand vous parlez de mosaïque, quand vous parlez de cosmopolite, et que ce mosaïque, cette cosmopolite, se retrouve autour de quelque chose, c'est qu'il y a un point fondamental, un point qui fait qu'ils peuvent se retrouver là, qui est un point d'équilibre. Aujourd'hui, ce point s'est cristallisé autour de la situation de notre pays, autour du fait que beaucoup sont venus à l'idée que peut-être le problème, c'est au niveau de la tête de l'État, la solution, c'est là-bas aussi. Donc, ce n'est pas une mosaïque, ça peut paraître comme ça, c'est des moments historiques où un ensemble de concitoyens, de catégories sociales, moi je vois, c'est toutes les catégories sociales, toutes les catégories, quelles qu'elles soient, qui sont là en tant que citoyens maliens, qui ont envie que leur pays soit autre chose, qui ont envie d'une autre gouvernance. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça l'objectif visé par cette mosaïque et cette, comment ça s'appelle, je ne suis pas comme un cheveu, la soupe là-bas.
je suis là-bas à un moment historique pour apporter avec mes compagnons notre part à ce combat du moment de notre pays. Alors, M. Sidibé, dans ce cas, si on se met dans cet angle de tir, vous demandez le départ immédiat du président Ibeka. Alors, quelle offre de sortie de crise vous proposez à la place avec ce mosaïque-là? Il faut être clair. Depuis 2019, bien avant, nous n'avons pas cessé de montrer des pistes de sortie de crise. Nous l'avions dit quand on a rencontré le président au moment de la remise de son projet de révision constitutionnelle. Nous avons dit que nous avions et nous lui avons remis un processus de sortie de crise en plusieurs étapes qui conduisait lui, qui s'élève au niveau de l'histoire, que une conférence des forces politiques et sociales puisse partager un diagnostic commun, puisse partager une sortie de crise également. Et cette sortie de crise passait par un dialogue national de refondation. Passait aussi par le fait qu'on se mette d'accord avec tout le monde sur l'impact de stabilité pour la sécurité, la croissance et le développement, pour amener un apaisement dans les pays. Et un gouvernement de mission extrêmement crédible, parce que c'est la crédibilité qui est rompue, c'est la confiance qui est rompue, pour ramener, rien que par la qualité de ce gouvernement, un peu de confiance. Et le pacte aidant, l'apaisement. Et le dialogue national voulant dire, on est en train de traiter nos plaies. Maintenant, on s'apprête à aller discuter des remèdes véritablement, des causes profondes qui ont amené le Mali dans un certain nombre de situations. Et que donc, toutes les réformes institutionnelles proposées à l'issue du dialogue national, qui doit même discuter de quelle modernité pour notre pays, qui doit discuter de quelles sont les infrastructures qui nous sont propres pour dire institution à respecter. Non seulement il doit être respectable, mais il doit être endogène. On doit s'y reconnaître. C'est dans ce dans quoi qu'on se reconnaît, qu'on respecte et qu'on défend. Et donc, le fait de discuter de façon endogène pour relégitimer un certain nombre d'institutions ou pour en créer qui nous sont propres est un gage de solidité de ces institutions, c'est un gage de foi des citoyens dans leurs institutions, un gage donc de travail serein, légitime d'une autre gouvernance pour notre pays. Monsieur Sidibé, est-ce que vous n'êtes pas en déphasage avec le peuple si depuis 2012-2013, votre agenda, c'était le Mali de 2030, pendant que les gens n'avaient pas à manger. C'est la guerre entre barbecue et cuisson longue. Ce qui fait qu'on critique les politiques de façon générale. Parce que le politique, comme on a dit, c'est celui qui donne le cap, qui donne l'horizon, qui propose un projet dans ce cadre-là. Ce n'est pas celui qui campe dans l'immédiat. Ce n'est pas celui qui ne voit que le lendemain. C'est celui qui voit le moyen et long terme. C'est ce qui fait un pays, qui construit un pays. Effectivement, il y a du grand débat, comme on dit, qu'avant 2030 soit, il faut vivre aujourd'hui. Mais on dit dans le programme, on s'occupe des urgences, on s'occupe d'aujourd'hui. Mais le fait d'avoir une vision permet de ne rien faire aujourd'hui qui compromet la démarche. De comprendre aussi que ce que je souffre aujourd'hui, c'est ce peu que j'ai. Mais dans ce qu'on me propose, ce sera autre chose dans 5 ans, 7 ans, 8 ans. Parce que si on ne fait pas comme ça, qu'est-ce qu'on va laisser aux générations qui viennent? Il faut le préparer. Je l'ai dit, il faut que le pays soit mis en transition. Parce que j'ai considéré que les difficultés qu'on a eues et qui nous ont mis dans une situation aujourd'hui extrêmement critique, le pays a été abîmé. Le pays a été abîmé. Il faut plus que le réparer. Il faut le refonder. Et dans ce cadre-là, il faut le mettre en transition. C'est ce que j'ai dit. Le Mali Horizon 2030 se décline en transition. Parce que j'ai cru que ce choc que nous avons eu nous mène dans une situation critique, comme si on était au début de nos indépendances. Et donc il faut rebâtir, il faut reconstruire, il faut mettre en transition. Donc cette démarche-là, de faire en compte qu'on aille vers une transformation pensée, voulue, acceptée dans la durée, c'est ce qui amène les changements structurels. Nous avons des vulnérabilités structurelles, il faut les changer. L'école, c'est l'éducation. Vous ne pouvez pas le résoudre un jour. La santé, c'est tout à fait la même chose. Vous ne pouvez pas le résoudre en 100 jours. Mais vous pouvez entrer dans une dynamique qui fait que petit à petit, les choses se résolvent. Le tout est lié. L'école, la vie familiale, le quartier, la commune et le pays. Donc, c'est ce qui se met en continuum. Donc,
Le politique, c'est ça, sortant du très court terme. Monsieur Sidibé, vous êtes un excellent commis de l'État. Tout le monde est unanime là-dessus. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à capitaliser cela en capital politique? Si l'on sait qu'en 2013, vous aviez 6 députés, et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec 0 député. Mal compris, mal aimé, ou en politique d'amener depuis 2013, si on sait que la junte vous a arrêté 3 fois, vous êtes le seul à avoir été vraiment martyrisé par eux. Qu'est-ce qui se passe? Arrêté, pas martyrisé. Je crois qu'il faut être clair. Notre combat, moi et mes compagnons, ne s'inscrit pas dans les médias. Nous savons où nous voulons aller. Nous savons qui nous sommes. Nous avons nos valeurs. Nous avons nos convictions. Nous avons dit que la politique sans éthique, sans valeur, ce n'est que caricature. Et qu'il faut véritablement qu'on revienne à ça. Peut-être un peu mal compris dans les médias, la façon dont la pratique politique a été ce qu'elle est, avec parfois des mensonges, avec des horizons tronqués, et également, n'ayons pas peur de le dire, avec l'argent, et donc avec le désintérêt, le désarroi des jeunes et tout. Et donc, si nous voulons aller vers ça, il faut que nous, en tant que politiques, les vrais, qui veulent un horizon, qui veulent un changement fondamental, prennent la posture qui est d'aller vers dans cette direction, de convaincre les uns et les autres d'y aller. Nous avons dit notre combat, ce sont nos convictions. Nous ne cherchons pas à convaincre par l'argent. Nous ne cherchons pas à convaincre par le mensonge. Nous ne cherchons pas à gagner des postes à tout prix. Nous cherchons simplement avec les citoyens maliens. C'est ce qui me fait aller dans les grains, dans toutes les rencontres de société à la base pour parler avec les gens. Parce que le renouveau de notre démocratie, ce n'est pas aussi nous cantonner dans une démocratie simplement représentative. Ce doit être aussi une démocratie participative. Et pour ça, il faut que les Maliens soient impliqués. Donc dans ce cadre-là, nous avons dit des élus, nous en avons eu, hein, des élus locaux. On les a salués parce qu'on sait comment ils ont fait leur campagne. Ils l'ont fait, ils l'ont gagné. Ils ont porté nos couleurs sur la base de nos valeurs. Nous préférons qu'on perde un moment, qu'on perde un temps, mais que la victoire soit la victoire de la démocratie pour l'ensemble du Mali, que les citoyens deviennent des citoyens généreux, actifs, engagés pour leur pays, engagés dans la construction de leur pays. C'est ça seulement qui nous fera gagner la bataille, non seulement pour nous, pour notre sous-région, pour notre continent. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Monsieur Sidibé, on ne vous comprend pas à l'international. Quand on est à Paris, on est aux États-Unis, on voit que vous avez fait une participation notoire à la gestion du Mali, hein. D'aucuns auraient choisi une carrière internationale. Ils sont étonnés de ne pas vous retrouver aux Nations Unies, à l'OIA et autres. Au lieu de cela, vous avez opté de rester dans les arcanes politiques de notre pays, à vous faire vilipender, insulter. Qu'est-ce qui se passe réellement? Comme on dit trivialement chez nous, on ne peut pas descendre dans l'arène publique sans prendre des coups. Mais le problème n'est pas là. C'est qu'est-ce qu'on veut faire? Moi, pour qu'il soit candidat, c'est parce que des gens me l'ont demandé. C'était principalement des jeunes, des femmes qui me l'ont demandé et qui ont dit, on vient avec vous parce qu'on a regardé le parcours, on a vu ce qui a été fait malgré les difficultés. Aujourd'hui, le système de santé, avec les difficultés qu'on connaît, mais il a un fondement. Ces fondements ont été mis en place à ce moment-là. Beaucoup d'autres choses sur lesquelles je ne voudrais pas revenir parce qu'il ne s'agit pas de faire mal. Mais on s'est dit que dans ce cadre-là, on doit pouvoir faire changer les choses, on doit pouvoir faire changer les valeurs. Notre premier conflit avec nos valeurs, etc., c'était lors de 2013, quand on avait signé un accord politique avec le cadre du FDR, donc il y avait l'URD, pour que le candidat qui vient au second tour, qu'on le soutienne. Ça a été des grands débats. D'habitude, il y a des gens qui vont de tous les côtés, non, on court vers la victoire. Nous avons dit non, nous maintenons nos engagements. Notre parti a failli partir en éclat, mais c'est ce qu'on a fait. Quand on pose, on a des engagements, quand on veut des valeurs, on doit le premier à le respecter. L'exemplarité est un élément important dans les changements de gouvernance que nous voulons apporter. Et j'ai dit à ces jeunes-là, vous êtes venus me chercher, vous pensez que nous pouvons faire quelque chose, et je crois qu'on peut faire quelque chose avec vous, en mettant un problème ensemble. Vous verrez que nous sommes pratiquement les seuls à avoir mis une transition générationnelle dans notre programme. On va le faire pour que vous vous préparez,
à servir le pays. On va le faire. Mais il faut comprendre que cette victoire-là, on va la chercher. Tant qu'on ne l'aura pas, on ne rentrera pas. Voilà ma présence là et pourquoi je ne suis pas, peut-être dans certains corridors dorés ou ailleurs, que j'ai choisi d'être là, de mener cette bataille-là avec beaucoup de difficultés, mais sans jamais désemparer et sans jamais de désavoir. Actualité, politique, économique, santé, sportive, socioculturelle, en direct, comme en différé, c'est sur Mali Online. Mali Online, c'est l'actualité comme vous l'avez jamais eu. Découvrez la douceur naturelle de Sahel Infusion, fabriqué par Mandingo Industries. Sahel Infusion est fabriqué à base de produits 100% naturels, bon pour le corps. Sahel Infusion, c'est le bien-être dans votre tasse. Monsieur Sidibé, vos détracteurs sortent à chaque fois que vous pointez du nez, excusez-moi du peu, la casserole de l'initiative rien. Beaucoup de milliards volatilisés pour peu de résultats. Qu'en est-il réellement si on se parle sans gants et sans masque, monsieur Sidibé? Monsieur Boissé, je voudrais vous dire qu'il n'y a jamais de casserole. On peut inventer des casseroles, il n'y en a pas. Des milliards envolés, il n'y en a pas. Du riz, oui. Du riz, oui. L'initiative riz, c'était quoi? C'était booster la production agricole. On a connu la grande crise alimentaire. On a pris les mesures immédiates. Encore une fois, vous voyez l'essence de Mali Horizon 2030, réforme structurelle. On a pris les mesures immédiates. C'était quoi? Rassembler tous les partenaires sociaux. Dire voilà, on va baisser le coût. Mais tout le monde suivait sur le marché pour que le Malien puisse en bénéficier. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Le Mali est le pays qui a les surfaces les plus formidables et qui connaissent les quatre systèmes de riziculture. Je dis à partir de là, puisque le président Antoine Touré avait demandé qu'au bout de son deuxième mandat, qui est pratiquement 10 millions de tonnes de céréales, dont des millions de tonnes de riz. Nous allons donc aller dans cette direction. À l'époque, tout le monde nous a regardés, parce que c'était tabou, la subvention, encore moins dans l'agriculture, puisque tout le combat, tous les schémas d'assainissement structurel, c'était de casser l'agriculture. Nous avons dit, nous allons y aller. Nous allons mettre de l'argent avec les producteurs. Moi, je ne les appelle pas des paysans, je les appelle des producteurs. On va mettre de l'argent. On veut être une puissance agricole. On va subventionner les intrants, à la fois l'engrais, à la fois les semences. On va subventionner les équipements. On a aussi fait recruter plus de 200 et quelques agents d'agriculture qui étaient au chômage pour faire cet encadrement, pour avoir un résultat. On avait évalué à 42 milliards, ça s'est réalisé à 35 milliards. Donc près de 21 milliards et quelques sont l'apport des producteurs. Ils n'ont jamais dit qu'ils ont été volés de quoi que ce soit. Deuxièmement, l'autre a été réparti entre l'État et certains de ses partenaires, dont le Canada, les Pays-Bas et les autres. On ne les a pas entendus dire aussi que leur argent était volé. Donc, voilà ce que je vais vous dire. Une gouvernance qui allait dire, nous allons avoir du riz de façon structurelle. Nous allons installer la production céréalière rizicole sur une rampe de productivité. Et c'est ce qu'on a fait. Et on l'a emporté puisque de 1 500 000 tonnes de paddy à l'époque, on est passé dès la première saison à, 1 million, à près de 1 600 000 tonnes de paddy. Riz paddy. Et depuis lors, regardez vous-même, ça n'a fait que croître. Nous sommes à près de 3 millions et quelques de tonnes aujourd'hui. Mais s'il n'y avait pas eu d'initiative RIE, ce résultat n'aurait pas été aujourd'hui. Donc, approche structurelle, horizon 2030. Installez les jeunes. Alors, monsieur le Premier ministre, je vous appellerai comme ça. C'est rare aujourd'hui de voir un président de parti politique venant du monde de la sécurité. Vous êtes policier à la base, vous l'avez dit. Commissaire, conseiller technique, le ministère de la Défense, Premier ministre. Donc vous connaissez bien la sécurité de notre pays. À quoi peut-on attribuer l'écroulement de la sécurité de notre pays aujourd'hui, monsieur Sidibé? Moi, je parlais des difficultés, je ne parlais pas d'écroulement. Pour compléter votre approche, vous devrez dire aussi que je suis petit-fils de militaire. Et militaire moi-même, puisque vous savez que nous avons une formation militaire dans le cadre de moment où la police appartenait aux armées à part entière, les brevets d'armes, les cours de capitaine, etc., les brevets de parachutistes, etc. Aujourd'hui, nous avons des difficultés. Notre défense, comme notre système institutionnel, n'a pas évolué de manière à anticiper véritablement l'ensemble des menaces qui étaient en train de s'installer.
Et donc, nous avons eu beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Difficultés aussi en termes de charges de dépenses et tout. Puisque nous savons très bien que jusqu'à une date, dans les années 90, une bonne charge était de la coopération, qui était simplement des jeux d'écriture. Mais après, il fallait payer rubis sur ongles et antivices. Et donc, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre et dire que nous avons des difficultés. Nos forces armées et de sécurité, c'était là, quand on a fait le séminaire de forces armées et de sécurité, en 1991-92, après le coup d'État, pour faire le point et voir comment nous allons avancer. C'est de là d'ailleurs qu'est partie les idées, les premières idées de loi d'orientation et de programmation militaire, pour l'ensemble, etc. Donc il faut faire tenir compte de moi, je ne suis pas de ceux qui sont là à chercher ce qui s'est passé hier. Laissons les historiens faire leur travail, parce que j'entends beaucoup de choses qui ne correspondent pas à la vérité. Nos forces armées ont besoin d'apaisement. Nos forces armées doivent être républicaines, fondamentalement. Elles doivent être professionnelles. On doit comprendre aussi que on doit les faire évoluer. Refonder les institutions, c'est refonder également notre système de défense et de sécurité, y compris notre système de renseignement, y compris notre système d'observation. Tout ça doit être refondé pour évoluer de manière à faire face. On a dit, ok, EITM, c'est bien. Mettons rapidement en état nos forces armées pour qu'ils prennent leur place dans les dispositifs en présence dans notre pays. Mais aujourd'hui, depuis ce moment-là, engageons le processus de réforme qui va amener, conduire notre pays armé à tenir notre territoire et à être partie prenante d'un bouclier sous-régional de protection de l'ensemble du Sahel. Et donc, c'est cette démarche qu'il faut conduire. Il ne faut pas compter qu'il faut qu'un jour, deux jours. Il faut aussi que la gouvernance de la défense change. Nous avons une gouvernance de la défense qui est calamiteuse. En gestion financière, en gestion des ressources humaines, en politique d'équipement et en politique de projection sur le territoire. Pendant longtemps, nous avions dit, même si on a peu, le positionnement sur le territoire, la doctrine d'action peut compenser beaucoup de choses. Et l'engagement et la détermination. Si le militaire est apaisé, s'il sait qu'il y a la détermination à la fois de l'État et de nous tous, en tant que citoyens derrière eux, il est plus fort dans ce qu'il a à faire. Donc, on a des difficultés, on doit saluer nos forces de défense et de sécurité sur certaines des réussites. On doit leur demander de demeurer toujours professionnels dans ce qui respecte des droits humains. Mais nous devons dire que la refondation des institutions, c'est aussi la refondation de notre système de défense et de sécurité, pour qu'on arrive à un moment où l'État du Mali, relégitimé, fort, qui est attaqué par qui que ce soit, devra devant lui la police, l'administration, la justice et notre armée. Monsieur le Premier ministre, je reviens encore avec la sécurité. À la décharge des autorités, tous les pays connaissent le terrorisme. Et on sait aujourd'hui que ça s'accentue. Et d'ailleurs, votre allié politique se retrouve entre leurs mains aujourd'hui. On va faire un clin d'œil là-dessus et vous demander. Mais face à ça, est-ce que nos autorités avaient le choix? Je voudrais d'abord avec vous, parce que ça aujourd'hui c'est dans tous nos combats, qu'on libère Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition, qu'il retrouve les siens et qu'il retrouve aussi sa place au sein de notre combat. Nous exhortons cela, le gouvernement, le président de la République a donné quelques indications il y a bien quelques jours, mais on attend la suite et nous espérons que ce sont des suites heureuses. Nous prions pour lui, pour sa santé et son retour. Vous ne pouvez pas me dire simplement que parce qu'il y a le terrorisme, c'est comme si vous me disiez il y a la pandémie du Covid partout. Oui, mais les réponses ne sont pas pareilles. Tantôt on y est bien préparé, on n'y est pas bien préparé. Et quand ça survient, comment s'organiser pour immédiatement se bien préparer, avoir la bonne riposte. Donc on ne peut pas dire cela. Il faut désormais qu'on apprenne une chose. Il faut vivre avec les problèmes de sécurité. Ils sont de plus en plus inhérents au monde que nous vivons aujourd'hui. Mais c'est de comment se préparer, comment prévenir, comment anticiper. Aujourd'hui, la question n'est pas que sécuritaire, elle est aussi économique. Elle est socioculturelle. Les affrontements dans le centre, comme on le voit, c'est parce que déjà il y avait des défis et des enjeux agro-écologiques qui n'ont pas été traités comme il faut. C'est parce que aussi on s'est trouvé dans une trappe de conflictualité où la mauvaise éducation, l'absence d'éducation, de la santé, de la déficit alimentaire, d'un pastoralisme mal géré avec l'agriculture, nous ont amenés dans ces espèces d'essence que nous vivons aujourd'hui. Et il faut en sortir. Pour cela, il faut une approche intégrée. Il faut une approche durable.
Je ne suis pas partisan de ceux qui vont, allez, hop, un événement se produit ici, on est là-bas. Demain, allez là. Non, il faut un maillage efficient de l'ensemble du territoire. Une coordination stratégique très poussée avec ceux qui sont en appui à nous. Le ministre, Barkhane, le G5. Et aussi faire en sorte que nous puissions être à l'offensive plutôt que dans la défensive. Il faut les chercher là où ils sont. Il faut faire un travail avec les populations. Il faut relégitimer l'État. Partout où on arrive à dégager, il faut qu'il soit un service intégré, compact, de sécurité, d'éducation, de santé, d'appui à l'administration, de projets de relèvement qui viennent prendre le relais assez rapidement pour essayer de couper le terrain. Parce qu'on est en train de déstructurer l'État sur l'ensemble du territoire. Un État affaibli. Un État qui n'est pas présent sur l'ensemble du territoire. Et justement, aujourd'hui, notre combat, c'est également ça. C'est la souveraineté. Retrouvée, forte. Nous sommes d'accord pour des souverainetés conjuguées, comme on a eu dans le dire, dans le cadre de l'intégration africaine. Mais pour avoir des souverainetés conjuguées, il faut d'avoir une souveraineté. Donc cela, c'est notre bataille. C'est une construction. Moi, je ne dirais pas qu'il faut, dans un an, c'est fini. Dans deux ans, c'est fini. Je ne dis pas ça. Il faut s'installer de façon durable. Mais dans un redressement programmé, fort de notre armée, pour qu'elle arrive à un niveau où je serai. Et je vous prends un cas. Toutes les recherches en matière de défense, d'observation, nous savons quand même, le pays est grand, extrêmement grand. L'enjeu est comment l'État peut être présent dans l'ensemble du territoire, protéger chacun d'entre nous et apporter ce qu'il faut aux différentes aspirations que nous avons en matière de services sociaux de base, ou en matière d'infrastructures énergétiques et tout. Il faut donc penser un aménagement du territoire prévisible, discuté, consensuel, équitable. Premier élément du rôle. Deuxièmement, il faut que la défense intègre tout cela. Et pour intégrer tout cela, il faut une surveillance du territoire qui est combinée aux nouvelles technologies aujourd'hui, à l'observation terrestre, l'observation spéciale et la capacité d'analyse et les capacités de mobilité sur l'ensemble du territoire. On peut y entrer, faire un coup, en sortir, c'est autre chose. Donc c'est ça qu'il faut que nous arrivions. Et là, on a des jeunes gens. On a des jeunes gens dans tous les domaines. Nous avons créé le fonds compétitif pour l'innovation et l'échec technologique. C'est le seul fonds qui aujourd'hui est abondé de la même manière que le fonds de subvention aux partis politiques. C'est en moyenne près de 2 milliards et quelques par an, sans toucher à rien d'autre. Comment les recherches en matière de défense ne peuvent pas s'articuler, utiliser ce fonds pour que nos propres capacités endogènes soient capables de nous produire les plateformes de surveillance, les plateformes interconnectées, la possibilité de pouvoir gérer le territoire, de le contrôler et de façon à effectif réduit, mais de façon efficiente. Comment gérer l'administration pour ça? Tous ces fonds-là sont là. Donc c'est pour ça que je ne dis pas que c'est partout, c'est vrai, c'est partout. Mais c'est, nous tournons vers qui? Nous tournons vers notre gouvernement. Et nous demandons, organisez-vous, dites-nous ce que vous voulez faire, comment le faire. C'est ce que nous voulons savoir. Alors, aujourd'hui, M. Sidibé, le président de la République tend la main. Et il y a un bras de fer, certes, mais il demande à venir l'aider à gérer. De ce fait, puisqu'on parle de consensus, si on vous demande de reprendre la primature et toutes ces belles propositions, les transformer en un concret, serez-vous d'accord? La question n'est pas moi. La question, avons-nous un processus de sortie de crise endogène qui peut nous amener à une stabilité structurelle avec l'ensemble des Maliens, pour nous éloigner, on dit même qu'on n'est même plus au bord de l'abîme, on est dedans. Pour sortir de l'abîme, nous en éloigner. C'est ça le problème. Le reste n'a pas d'importance. Il n'y a d'ambition que pour le Mali. Il n'y a d'engagement que pour le Mali. Non. Et donc, non. Monsieur Sidibé, est-ce que vous serez prêt à prendre la main? Parce que si on regarde, vous avez fait 5 ans de primature avec ces belles réalisations. Vous avez fait une belle proposition. Mais si on vous demandait aujourd'hui, en citoyen, de prendre la main et d'aider à matérialiser tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement? Est-ce que vous êtes prêt à faire le sacrifice? Je vous dis une chose qui est très claire. Je n'ai pas d'abord fait une primature de 5 ans, de 3 ans et demi. De 3 ans. 3 ans et demi à peu près. Deuxièmement, j'ai déjà eu à dire et à répéter que nous, avec nos compagnons, nous ne nous engageons pas au service d'un régime ou d'un homme. Partout où il sera question du Mali, où les Maliens seraient d'accord dans un sursaut sur un programme de sortie de crise durable pour notre pays, je crois que tout patriote apportera son concours
à la réalisation de ce programme de sortie de crise. Je n'ai pas dit que j'accepte. J'ai dit tout bon patriote. Puisque on parle du Mali actuellement. Mais on parle du Mali, mais je ne dis pas, j'essaie, vous ne pouvez pas me dire. Monsieur Sampi, vous. Le M5 auquel vous participez, ils sont d'accord que le problème existe. Vous ne pouvez pas me dire d'opiner sur quelque chose dont le socle n'est même pas arrêté, dont les principes ne sont pas arrêtés. Je ne serai pas sérieux. D'accord. Alors, monsieur Sidibé, je reviens à ce qu'on appelle l'imaginaire populaire. L'imaginaire populaire, je l'appelle comme ça. En 2012, vous étiez, pour l'imaginaire populaire, le dauphin du président ATT. Un couloir était même tracé. Vous aviez amené des 4x4 dans vos champs. C'est ce que vous avez voulu, même l'inimitié de la junte, parce que vous étiez le président de la République, tout tracé, tout trouvé, après ATT. Alors, si aujourd'hui, avec le recul, on vous demande, tout cela était attribué à quoi? Je crois que le président ATT lui-même a dit qu'il n'a pas de dauphin. On ne va pas s'inquiéter dans ça. Il y a des gens, comme vous l'avez dit, c'est dans l'imaginaire populaire. Ils se sont mis dans ça. Il y en a qui ont développé des stratégies contre, il y en a qui ont développé des choses, etc. Mais moi, je peux vous dire simplement que ce n'est pas une question de dauphin. C'est une question simplement de savoir quelle était la capacité de mobilisation face et quelle était la capacité de proposition. Nous avions une mobilisation, nous avons une capacité de proposition, nous avons un programme, comme vous l'avez dit. Donc c'est de ça pour moi qu'il s'agit, pas d'autre chose. Maintenant, on a dit beaucoup de choses. Ce fameux champ dont vous parlez, on ne l'a jamais trouvé. Depuis 2013 qu'ils sont en train de le chercher, on ne l'a jamais trouvé. Moi-même, j'ai dit quelqu'un s'il peut me le trouver. Les fameuses 4K, si on peut me les trouver, je ne les ai pas. Je sais que ma campagne de 2013, je l'ai fait dans une voiture, et c'est dans cette même voiture que j'ai fait ma campagne, la dernière campagne. Donc arrêtons avec tout ça. Notre pays a besoin d'autre chose que ça. Mais moi j'ai dit, les injures, les insultes, je n'en ai que faire. Je n'en fais pas, je n'ai pas un comportement de cette nature-là, et nous ne faisons pas notre politique comme ça. Nous critiquons les projets, nous critiquons les programmes. On discute même avec les oncles, tout ce qu'on veut. Mais jamais d'insultes, jamais d'écart. On a dit beaucoup de choses. Vous êtes chez moi. Si c'est une maison qui vaut des milliards, vous serez apprécié. Si c'est une cour qui peut accueillir 12 véhicules 4x4, vous serez apprécié. On a dit énormément de choses. Moi, je suis du Bajalon. Je suis né là-bas, dans une grande famille. J'ai passé toute ma mission de ministre de la Santé, de la Solidarité des personnes âgées dans la grande famille là-bas, au Bajalon. Allez-y voir, dans une grande cour, la même chose, avec mes tantes, mes soeurs, etc., en plein quartier populaire. Et pourtant, on disait, il est tout bas, il n'aime pas les gens, il n'aime pas ceci, il n'aime pas cela. Tout ça, ça fait partie de ce fameux imaginaire politiquement construit pour des raisons connues. Moi, je ne m'aimais pas dans ça. Les Maliens, quand j'ai été à eux, dans les cours, dans les concessions, dans les rues, dans les espaces où ils sont, pour discuter, dans les grains, dans les regroupements, dans les concessions, on su apprécier qui est un Modibo Sidibé, qu'il est et qui ne l'est pas. Et je crois qu'ils sauront désormais faire la part des choses. Alors, M. Sidibé, aujourd'hui nous sommes dans l'actualité. Selon vous, très sincèrement, en enlevant toute enveloppe ou toute camisole politique, pour sauver le Mali aujourd'hui, il faut faire quoi? Est-ce le consensus? Est-ce le va-t-en-guerre? Ou tout simplement s'asseoir et regarder le Mali sombrer? Une chose est claire, M. Sambi. On ne peut pas s'asseoir et regarder le Mali sombrer. Il n'est pas question de ça. Je l'ai dit l'autre jour. On a l'impression que notre pays se fracasse. Tout éclate. Regardez le centre. Regardez les petites zones de conflit sous des contrôles, de guerriers, etc. On a l'impression que le pays se fracasse. Mais je l'ai dit, le Mali ne se fracassera pas. Parce que nous sommes là. Nous sommes là, nous serons sur les remparts. Nous sommes des rassemblements. Nous sommes des patriotes. À travers tous les camps, d'ailleurs, nous sommes des patriotes. Mais aujourd'hui, le combat, c'est quoi? C'est qu'il faut changer radicalement de gouvernance. Il faut réinstaller notre pays dans une dynamique de changement. Mais pourtant, M. Sidibé, le Mali ne tient plus qu'à une partie du sud Bamako et vous êtes avec vos amis en train de mettre le feu à ça. J'ai entendu. Vous avez eu il y a eu des violences? On a été cassé des feux?
On a été cassé quoi? Arrêtons cela. Les rassemblements, c'était quand? Les années passées. On n'a pas eu Ogossagou. Il y avait des rassemblements ici à Bamako, empêchant de gérer. On n'a pas dit que ça ne se reproduirait plus. Ça s'est reproduit. On a eu Colombo, on a eu Soubanda. On a encore des gens tués, des morts silencieux, des violences de tous les jours, des gens enlevés dont on ne sait même pas ce qui va venir. Des années durant, sans ces manifestations-là. Même si c'était des manifestants, c'était pour. Vous êtes content? Est-ce que le pays a brûlé? Il faut arrêter de penser que on va rester dans cette situation, qu'on va se mettre à secouer les épouvantails de tous côtés. Ah, c'est les djihadistes, ah, c'est les religieux, ah, c'est ceci, ah, c'est cela. Les faits sont têtus. On a un problème de gouvernance. Les Maliens ont des problèmes. Il faut apporter des réponses à ces problèmes. Nous ne laisserons personne, nous ne laisserons personne dénaturer notre combat. Nous ne laisserons personne nous décourager dans notre combat par quelques épouvantails que ce soit. Notre combat, c'est le Mali. C'est pour le Mali. Notre combat, c'est justement pour que la situation que vous avez éco-vécue aujourd'hui cesse. Notre combat, c'est de recouvrir ensemble l'entièreté. Notre combat, c'est de faire que ce Mali des générations de patriotes soit reconstruit, soit là pour les générations qui viennent, pour qu'elles aussi soient des générations de patriotes. Notre combat, c'est ça. Ne vous en faites pas, personne ne nous fera. Nous sommes conscients du Mali. Nous sommes conscients du Mali. Nous sommes conscients de la situation du Mali. Nous sommes conscients de ce sujet-là. Mais nous savons aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui guette le Mali, qui est plus terrible que ça. C'est-à-dire que le Mali ne soit plus là. Nous ne pouvons pas attendre ça. Vous avez dit que le Mali va disparaître, il ne disparaîtra pas. Donc notre combat s'inscrit dans ce sillage-là. Nous sommes des gens responsables. Nous sommes des patriotes. Nous savons ce que c'est qu'un État. Nous savons ce que c'est qu'un pays. Mais nous savons aujourd'hui aussi ce qu'éprouvent les concitoyens, ce qu'éprouvent nos patriotes maliens. Le Mali ne peut pas rester comme ça. Il ne peut pas être géré comme il a été géré jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ce changement de gouvernance, ce choc de gouvernance, j'oserais dire, est absolument indispensable pour remettre le pays dans une dynamique de progrès. Et ça, ce combat, nous le mènerons, ne vous en faites pas. Rien ne nous découragera. Quelques épouvantails que ce soit, quelques qualificatifs que ce soit, nous garderons ce cap-là avec beaucoup de responsabilité pour qu'il y ait un vrai changement de gouvernance. Je suis devenu le mot de la fin. Je vais dire à nos compatriotes qu'ils gardent espoir. Qu'ils gardent espoir. Le Mali, ils le savent, c'est un pays qui vient de loin. C'est un pays qui ira loin. Notre trajectoire, elle est éternelle. Chaque génération inscrit son étape. Nous sommes aujourd'hui dans une étape difficile. Nous sommes aujourd'hui dans une étape complexe. Mais c'est quand c'est difficile que c'est complexe qu'il faut s'engager le plus, qu'il faut être le plus déterminé, qu'il faut être le plus rassemblé. Le rassemblement des forces patriotiques, c'est justement ça. Être rassemblé, être fort, être déterminé. Mais pour le pays, rien que pour le pays, pour la République, pour la démocratie. Nous savons bien qu'on n'a pas d'autre choix qu'entre la République et la démocratie. Il faut qu'on admette qu'il n'y a de citoyens que maliens. Il n'y a pas de citoyenneté religieuse. Il n'y a pas de citoyenneté, nous sommes des citoyens maliens, et c'est ça la République, du culte musulman, du culte catholique, du culte traditionnel. Nous sommes des citoyens maliens d'abord, sonidés, de culture soninké, de culture pel, de culture dogono. C'est ça qui fait notre richesse, c'est ça le socle de la République. Citoyen égal, protection égale, chance égale d'accès, partout où on se trouve, à ce coffre, le Mali, à tous ses fils et tous ses enfants. Voilà le sens de notre combat. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous étions avec M. Modibo Sidibé, ancien Premier ministre, docteur en criminologie, policier, il l'a dit lui-même, président des phares en Kaouli et aujourd'hui membre à part entière des M5-RFP. Il était l'invité de Mali Online, votre plateforme digitale qui émet partout dans le monde entier pour le bonheur de tous les Maliens, mais également de tous ceux qui sont férus de la bonne information. Merci bien M. Sidibé et à la prochaine.